Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au début, je voulais vous parler de la compétition Perch Riding, enfin la compétition organisée par l'association Perch Riding que j'ai co-organisée. Donc en fait, j'étais l'organisateur BMX Flat avec Yannick Chauvel. Eux organisaient une compétition BMX Dirt. C'était sur un week-end à Mortagne au Perche, ça s'est super bien passé. Il y avait des riders allemands, colombiens, il y avait pas mal de français. On a fait vraiment un truc à la cool. Contest familial. Le samedi, j'étais en show avec Gurvan au milieu des vaches. On a vraiment bien rigolé. Et le samedi soir, voilà, le sujet de la vidéo, ça va être samedi soir. Samedi soir, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'était la soirée du contest. Donc, qui dit soirée de contest, dit ça part en live. Il y avait un gîte pour 33 personnes. Donc, en gros, tous les riders flat étaient là-bas, tous les riders dirt étaient là-bas, tous les bénévoles. Et là, il fallait trouver une animation. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Alors il y avait Joris. Joris, vous le connaissez, vous l'avez vu dans la vidéo à Caen. Vous allez le revoir prochainement dans une vidéo que j'ai tournée hier où on a filmé un tricks à lui à Lyon. Joris Bretagnol, c'est un des meilleurs riders français, un des meilleurs riders au monde. Il est dans le top 10 mondial, top 5 français. Il déchire tout en ce moment. Et il y avait un rider allemand, Marcus Vital, qui a une vingtaine d'années. Un jeune rider allemand qui est en train de monter en flèche lui aussi. Et les deux se sont dit quoi? On va pousser les tables, on va pousser les chaises, on va se mettre au milieu du salon. Et on va partir en battle. Du coup, l'animation de la soirée, c'était la battle entre Joris et Marcus. J'ai filmé la fin de la battle. Je vais vous montrer les images tout de suite. Les règles de la battle étaient simples. Chacun avait deux essais pour poser son tricks. L'autre devait répondre. À chaque fois, un des deux gagnait le point. Et le premier à 5 points avait gagné. Je pense que le mieux, c'est que je vous laisse checker la fin de la battle. Poum ! Battle dans le gîte. On est sur les derniers points. Bon, Joris, là, il y a 4 à 3. C'est une manche en 5 points. Il y a un enjeu là, mec, il y a un enjeu. Yo! 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 Yo, yo! You can do it! Oh! Okay, so 4 for you, 3 for you. 4 à 3. 4 à 3. Point décisif pour Joris. Yo, 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 yo. Allez, allez. Oh. Allez, Joris. He is the winner! Oh man! Yeah man! Crazy! After this combo! Ah! Sensation à chaud là, Joris! Bah écoute, je suis assez content! Ça fait quoi d'avoir gagné une battle dans un gîte sur du carrelage? Devant la foule en délire? Bah écoute, c'est un honneur! How do you feel after the battle? Encore félicitations à Joris, vraiment t'as tout déchiré sur ton dernier combo, c'était complètement malade. Si vous voulez des shows d'ailleurs, si vous avez des événements vers chez vous, n'hésitez pas. Joris, c'est vraiment mon pote de démo. On fait des démos partout en France, tous les deux. Donc on peut vraiment venir vers chez vous, dans votre salon, dans votre chambre pour faire un show, il n'y a pas de souci.
contactez-nous, c'est osbmx.fr. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire, vous laisser un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait. Et vous pouvez suivre Joris Bretagnol sur Instagram. Il a posé un world first, c'est-à-dire une figure que personne n'a jamais mise encore au monde. J'ai filmé tous les coulisses de cet entraînement et du passage et la première fois qu'il l'a mis. Je le mettrai la semaine prochaine si vous êtes sage. Si vous voulez voir ça, laissez un petit commentaire et je vous dis à la semaine prochaine.